Ben en fait, je sais qu'ils veulent en virer 4, au moins 4 ou 5, je sais plus. Ouais. Personne ne sait, non. Normalement, moi, il m'a dit, normalement, je reste. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit, normalement, je reste. Ouais. C'est aussi bien de rester dans l'entreprise, hein. Moi, je dans les deux cas, j'aurais été content, mais je reste aussi bien de rester, hein. Moi, je suis content chez Chalaban. Maintenant, j'aurais été viré, ben, comme je te l'ai dit, j'aurais repris l'intérim des CDD, et j'aurais été viré avec les indemnités, ça aurait permis de rembourser pas mal de dettes. Mais sinon, ben, je dis, mais si on veut me garder, ben, moi, je reste, y a pas de problème. Ouais, parce que si ça se trouve, moi déjà que je commence à être âgé, si ça se trouve, ça va il aurait pas été aussi facile dans d'autres boîtes. Hein. Ouais, parce que c'est aussi bien, c'est bien chez Chalaban aussi. Puis, de quoi? Ah ouais? Et alors comment ils vont faire? Non mais la concurrence n'est pas prête pour faire la ligne? Ah bah. C'est qui le chauffeur? Ah ouais? Ah bah dis donc. Ah ouais, ils ont... Ouais. Hein? Et comment ça s'appelle cette entreprise? NDM? Ah ouais? Ah ouais, d'accord, ouais. Ah bah si ça se trouve, ils vont être, s'ils sont pas au point immédiatement, eh ben ça se trouve, ils vont Chalaban va reprendre la ligne alors. Ça se trouve. Ah ouais, d'accord, ah voilà. Ah ouais, d'accord, ah ouais. Ah bah là, ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah d'accord. Ouais, bah ça. Ouais, parce que c'est pas facile pour une entreprise de mettre au point des liaisons comme ça. Hein. Ouais. Ouais. Lui, le chauffeur, il dort à Toulouse. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, c'est... Ah ouais. Bah, tu vas reprendre du travail alors. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent te faire passer la visite médicale. J'ai regardé tout à l'heure dans ma boîte aux lettres, j'ai du courrier. Ils avaient dit qu'ils enverront un courrier. Hein. Mais ils l'ont pas envoyé pour l'instant.
Voilà, il n'y a rien du tout. Ah. Bah en fait, Dion, il m'a dit qu'il va m'envoyer pour le planning pour la semaine prochaine, mais normalement. Toi, dans les deux cas, toi aussi, t'es content. Sinon, c'est le chômage, la retraite, et puis, c'est aussi bien d'être déjà à la retraite. Ah, tu vas bricoler. Ben non, ah oui, là tu te poses déjà la question, comment tu vas t'occuper. Ta femme, elle est en colère parce qu'elle est pas sûre que tu vas t'occuper. Ah ouais, d'accord. Ouais, ben c'est vrai que la route. C'est ça, hein, la retraite. Parce que quand on a passé sa vie à travailler, la retraite, c'est comme un vide, hein. Au début, hein. Après, ouais. Ah ouais, tu t'adaptes, s'adapter, mais c'est quand même une adaptation, hein, parce que c'est quand même un changement. Parce qu'on est plus content d'aller à la retraite de plus travailler, même si on aime son travail, et même si on aime bien rouler en camion, et puis au bout du compte, c'est quand même un vide, hein. Ouais, je conduis là. Ah, là, je vais monter sur la Nationale 4. Là. Ça met quoi? Ça, c'est le réseau, hein, c'est pas ton téléphone. Hein. Hein? Bah, ça met combien de temps? Bah, mes téléphones, des fois aussi, c'est pareil, c'est 2-3 secondes aussi. Hein. Ah ouais? Oui, je sais pas. Je peux pas dire. À mon avis, c'est le réseau. Si le réseau se fait. Ben, je sais pas, parce que moi ça sonne pas tout de suite. Quand j'appelle, ça met un temps avant d'avoir la tonalité. Hein. Ah ouais? Ah ouais? Ah ça je savais pas. Ouais. Non, moi ça attend toujours. Moi la tonalité, il faut 2-3 secondes avant que ça sonne. Ouais. Ah ouais, mais ça moi je me rappelle pas que le téléphone il sonne tout de suite. Hein. Comment il répond pas? Le téléphone, quand tu décroches, des fois t'entends rien, quoi, je comprends pas. Ouais. Ouais, mais ça c'est normal, ça c'est normal. Demain, déjà, je vais sûrement jouer au drone, hein, un truc comme ça, un truc comme, je sais pas, un truc comme ça. Et là, aujourd'hui, j'ai amené mon drone dans le camion, mais je sais pas où je vais faire du drone, là, je suis sur la route, je vais faire une petite pause, et puis je sais pas où je vais faire du drone. Parce que tout à l'heure, j'avais pas, là, il y a du brouillard, alors, c'est pas mon problème. Maintenant, le brouillard s'est levé, alors je vais pouvoir faire du drone, mais je sais pas où m'arrêter.
De toute façon, maintenant, là, c'est comme hier, je rentre à vide. Ouais, là, bah, bah oui, là, là, c'est pas... Même si j'arrive en retard, si ils sont pas contents, c'est la mauvaise volonté, parce qu'il n'y a rien dans le camion. Ouais. Hein? Bah, vers 1 heure. Ouais. Ah ouais. C'était qui? C'était Abdel ou c'était Johan? Abdel? Ah ouais. Qui, Johan aussi? Ouais, mais moi je crois que Johan il sait mettre la pression pour que ça aille plus vite. Parce que je crois qu'il il sait mettre la pression sociale. Tandis que moi, quand je me rappelle, quand je faisais à Val d'Oreille, des fois on faisait partie à 1 heure, 1 heure et demie et tout ça, même plus tard. Hein, et je sais que Johan il partait des fois à minuit et demi, minuit 45, il partait toujours avant l'heure. Et moi je crois que si lui il a la relation, il a les relations, il met la pression et c'est comme ça, il s'est fait. Ouais, les autres chauffeurs, ils ont pas le pouvoir de faire ça. Moi j'ai pas le pouvoir de leur dire, parce que lui c'est mettre la pression. Ah ouais, j'ai un retard, hein, ouais. Ouais, mais ça dépend des coups de l'hiver à la Toulouse. Ouais. Mais si ça se trouve, en arrivant en retard, bah, t'as tous les jours le repas de midi. Ah ouais, là. Ah ouais. Ouais. Alors, si ça se trouve, tu vas rester. Allô? C'est un sujet qui intéresse les élèves, c'est un sujet qui est difficile à traiter. Alors s'il intéresse les élèves, c'est probablement eux les mieux à même d'y répondre, mais je pense que oui, puisqu'il est connecté directement à l'actualité. Par exemple, la reconnaissance par Emmanuel Macron en septembre 2018 de la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin. Donc c'est facile de donner une actualité à ce sujet, de le connecter à une expérience pour eux qu'ils peuvent avoir au quotidien. Et est-il difficile à traiter ? Je pense qu'il a une difficulté, c'est que ce n'est pas un sujet sur la guerre d'Algérie, mais qui demande d'en avoir quelques connaissances. Théoriquement, ils ont connu, ils ont... Nique pour le corps et l'esprit. L'importance du petit déjeuner pour en finir avec les fringales de 11h. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il doit apporter au corps un quart des besoins énergétiques de la journée.